Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, je vous montre comment installer la version bêta publique iOS 15 et tout ceci à partir de Safari sans connexion sur un Mac et sur un Windows. Vous allez tout de suite aller sur votre iPhone et sur Safari. Safari. Programme de logiciel bêta d'appel. Niveau dans T2. On arrive donc sur cette page. Ici, il va falloir que vous validiez à partir de votre adresse ID Apple et votre mot de passe ou votre Face ID. Aidez-nous à faire des prochaines versions d'iOS, d'iPaOS, de macOS, de tvOS et de watchOS les meilleures à ce jour. En tant que membre du programme de logiciel bêta d'Apple, vous pouvez prendre part à la conception des logiciels Apple en testant les pré-versions et en nous transmettant vos commentaires. Plus d'infos sur les prochaines versions. Alors attention, je vous mettrai l'adresse directement dans la zone description. iOS 15. Lien iPadOS 15. macOS Monterey. Lien tvOS 15. Lien watchOS 8. Lien s'inscrire. Lien. Déjà membre? Se connecter. Lien. Vous allez donc sur ce bouton se connecter. Se connecter. Lien. Page web chargée. Se connecter. Voulez-vous vous connecter? Continuer. Bouton. Continuer. Voulez-vous vous connecter à insa.apple.com? Vous validez sur se connecter et là automatiquement page web chargée. La page qui va suivre va vous donner accès au profil public. Guide pour les versions bêta publiques. Niveau. Le programme de logiciel bêta d'Apple vous permet d'essayer des pré-versions de logiciels et de nous fournir des évaluations pour nous aider à les améliorer. Dans ce guide, vous trouverez des informations sur les dernières versions bêta et sur les premières étapes à suivre. Consultez cette page régulièrement pour obtenir de nouvelles informations. iOS. Lien. Début de la liste. Repère. iPadOS. Lien. macOS. Lien. tvOS. Lien. WatchOS. Lien. Fin de la liste. Navigation. iOS 15. Vivez le moment présent. Niveau dans T3. iOS 15 contient de nombreuses fonctionnalités qui vous permettent d'être en contact avec d'autres personnes, profiter davantage du moment présent, explorer le monde et utiliser une intelligence puissante permettant d'effectuer un nombre inédit de tâches sur iPhone. En savoir plus sur iOS 15. Lien. Démarrer. Niveau dans T3. Le programme de logiciel bêta d'Apple est maintenant disponible pour iOS 15. Si vous êtes un nouveau membre, veuillez inscrire votre appareil iOS. Lien. Une fois inscrit, vous serez notifié lorsqu'une nouvelle version bêta publique sera disponible et vous pourrez l'installer via la fonctionnalité mise à jour logicielle de votre appareil iOS. Fournir une évaluation. Niveau dans T3. Donc ici, comme vous l'avez pu le comprendre, on va aller tout de suite sur le lien du dessus. Une fois inscrit, vous serez notifié lorsqu'une nouvelle version bêta publique sera disponible et vous pourrez l'installer via la fonctionnalité mise à jour. Inscrire votre appareil iOS. Lien. Donc vous allez sur ce lien. Inscrire votre appareil iOS. Lien. Que vous validez, bien sûr. Page web chargée. Pour obtenir la version bêta publique du logiciel, niveau dans T1. Inscrivez vos appareils au programme de logiciel bêta d'Apple pour bénéficier des dernières bêta publiques dans mise à jour de logiciel. Niveau iOS. Lien. iPadOS. Lien. Donc ici, vous choisissez sur quel OS vous voulez vous inscrire. iOS. Donc ici, on va faire iOS. iOS. Lien. Début de la liste. Repère. iPadOS, macOS, tvOS, watchOS, archivez une sauvegarde. Vous êtes sur le point d'installer la version bêta d'un logiciel. Effectuez toujours une sauvegarde de vos données et de vos fichiers avant d'installer une version bêta d'iOS. Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde à l'aide du Finder. Sélectionnez votre appareil dans Emplacement, dans la barre latérale du Finder. Créez une sauvegarde, puis cliquez sur Gérer les sauvegardes pour l'archiver. Remarque, si vous êtes passé à macOS Catalina ou une version ultérieure, vous pouvez archiver une sauvegarde à l'aide d'iTunes. Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde iTunes et de l'archiver avant d'installer la version bêta publique d'iOS. Archiver une sauvegarde iOS avec iTunes. Lien. Séparateur. Estompe. Installer le profil. Niveau dans tête 4. beta.apple.com/profil. Lien. Pour télécharger le profil de configuration. Vous recevez. Télécharger le profil. Lien. Télécharger le profil. Lien. Avertissement. Ce site web tente de télécharger un profil de configuration. Autorisez-vous cette action? Et là, les amis, vous circulez sur. Ignorer. Autoriser. Bouton. Autoriser. Vous téléchargez le profil iOS bêta public, surtout public, pas développeur, et c'est parti. Autorisé, avertissement, profil télécharge fermé, bouton,